Drôle de mois de mars, confinement à la maison. Non, ce n'est pas une farce, c'est même une obligation. Pour aider nos soignants, restons chez nous bien sagement. Apprendre à prendre le temps, faire l'école avec les parents. Dehors, tout est fermé, les bars, les restos, les écoles. La piscine, le ciné. C'est vrai que cette époque est folle. Protégeons nos aînés, restons tranquilles, chacun chez soi. Mais comment aider les personnes qui n'ont pas de toi? Il a stoppé le temps, ce satanivirus. Il n'en fallait pas plus pour une parenthèse au printemps. Va pas dévaliser toutes les supérettes. Tu ne vas pas manquer de rouleaux de papier toilette. Nos amis les bêtes sont sortis de leur cachette. Pour elles, c'est les vacances, profitant de l'état d'urgence. Nous leur cédons la place, elles que nous avions dérangées. Elles occupent l'espace que nous leur avions confisqué. Nous on regarde la télé, on fait de beaux bouquets de fleurs. Des jeux de société, on peut se coucher à point d'heure. Mais souvent je m'ennuie, parfois je suis pris de tristesse. Je veux voir mes amis, je veux retrouver ma maîtresse. Il a stoppé le temps, ce satanivirus. Il n'en fallait pas plus pour une parenthèse au printemps. Va pas rivaliser toutes les supérettes. Tu ne vas pas manquer de rouleaux de papier toilette. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas la terre. Que l'argent fait sa loi, qu'on a tout pollué, même l'air. Ralentissons nos vies, voyons comme c'est beau pour la nature. Faisons donc moins de bruit, pour que demain tout cela dure. La terre aussi est malade, et c'est vraiment pas rigolo. Les océans sont crades, il faut devenir écolo. Ne cédons pas à la panique, ensemble unis comme un seul bloc. Ce serait fantastique, une planète sans plastoc. Juste une éternité.